L'opposition entre la grande et la petite nourriture est un incroyable challenge qui va bientôt commencer. Comment pouvez-vous résister? Impossible! Lâchez tout et courez regarder, nous allons commencer. Jess adore le pain d'épices de Noël. C'est si savoureux! Et avec du lait, c'est fabuleux! Et voilà! Elle est tombée droit dans le verre! C'est dommage! Mais Emma est là pour aider! Et un peu de magie pour faire un petit pain d'épices géant! Oh! Et c'est là qu'elle a fait une erreur de calcul! Waouh! Tu as commandé une douche de lait? Oh, maintenant je dois faire sécher mes vêtements! Mais regardez comme l'homme en pain d'épices est grand maintenant! Ce n'est pas un homme en pain d'épices, c'est une vraie personne! Génial! Maintenant, il y en a assez pour tout le monde! Et il en restera encore! Parfois, en fuitant un magazine, vous pouvez accidentellement tomber sur la robe de vos rêves! Ne restera-t-elle pas dans l'imaginaire? Vous devez soit vous faire plus petit, soit plus grand! Mais prenez la robe! Heureusement, il y a un de ces trucs qui vous aidera! Et c'est fait! Oui, maintenant c'est la bonne taille! Il ne nous reste plus qu'à le récupérer auprès de cette gentille fille! En espérant qu'elle ne sera pas trop bouleversée! Ça va tellement bien, Suzy! Le rouge est définitivement sa couleur! Maintenant, allons gagner des cœurs! Bien, bien, bien! Qui va gagner ce combat? Il n'y a qu'un sac de Skittles et deux personnes sont prêtes à le manger! Zack est plus agile, mais Bella ne cède pas! Elle se bat jusqu'au bout. Et il y a une solution. Maintenant, le petit sac est sur le point de devenir un énorme sac. Waouh! Oui, ça ne sert à rien de se battre maintenant. Il y a assez de bonbons pour tout le monde! Oh, génial! Pourquoi ne pas appeler vos amis? Bella aime trop au mieux de sa forme. C'est pourquoi elle a toujours du maquillage sur elle. Mais il a oublié son miroir! Très bien! On peut utiliser le téléphone. C'est une bonne chose qu'Andy soit là. C'est presque fait, mais... Sans blague! Maintenant, il faut tout refaire! Mais Bella sait comment se venger! Boum! Et maintenant, Andy a un nouveau téléphone de la taille d'une porte! Alors, qui est le joker maintenant? Eh bien, c'est clair avec Andy! Il ne peut pas supporter la concurrence. Sauf que maintenant, sur le grand écran, ce match semblait encore plus effrayant. J'aimerais que la leçon se termine plus tôt, vraiment, j'ai tellement faim. Mais c'est une bonne chose qu'Emma ait un beignet. Ça l'aidera pendant un moment. Non. Bien sûr que vous puissiez en faire plus et que vous puissiez ensuite rester à l'école toute la journée. Oui, c'est incroyable! Emma ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi bon. Mais c'est aussi délicieux! Oh. Sauf que Marie en veut un aussi. Elle ne manquerait pas une occasion d'essayer! Oui, personne ne va céder, je peux le dire. Il ne s'agit même plus du beignet, mais du principe. Malheureusement, le professeur a lui aussi des ennuis.
toute la classe est couverte de crème. Oh mon Dieu! Je ne pense pas que l'agrandissement du beignet à une taille géante était une bonne idée. Ouais, les manières de Marie sont parfois étonnantes. C'est comme s'il avait agrandi parmi les animaux sauvages. C'est juste incroyable. C'est comme s'il ne remarquait pas les autres personnes autour d'elle. Mais Bella en a tout simplement marre. Très bien, c'est tout. Ah, peut-être que maintenant, elle va au moins remarquer qu'il y a quelqu'un autour d'elle. Oui, c'est beaucoup à faire. Mais pensez-vous qu'il va réussir? Bella, tu es si douée! C'était impressionnant! Oui, maintenant, on peut regarder un film en compagnie tranquille. J'ai ça en plan. Apprendre à jongler avec des œufs avant les prochaines vacances. Elle y montrera ses talents et deviendra célèbre. Mais sa formation fait obstacle à ceux qui l'entourent. Et Emma ne va pas tolérer cela. Pour lui donner une leçon, il agrandit son œuf. Laisse Jess souffrir un peu ce soir. Oui, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps pour nettoyer. Suzy reçoit un peu de ses bonbons préférés. Elle adore ça. Et puis à l'improviste, Zach, il arrive et il a du couloir. Il n'a pas laissé un seul bonbon. C'est dommage. Bon, s'il aime tant les bonbons, laissez-le s'asseoir dans le pot. Hein? Et c'est fait. La chute n'était pas prévue, mais il faudra bien. Marie veut nettoyer sa trousse de maquillage. Mais les cheveux sont devenus si bizarres là-dedans. C'est son ami avec la Paris qui a agrandi tout. Génial! Le burger est devenu si gros. Marie aurait aimé déjeuner elle aussi. Sauf que personne ne va partager. No. La guerre? Eh bien, c'est la guerre. Oh, tout l'appartement va souffrir. Attention, les filles. Ce n'est pas une blague. C'est donc ce qui s'est passé. Tout est parti. Fini les gros burgers et les sodas de la taille d'un seau. Au moins, il reste ce dernier. Vidéo drôle, ce qui signifie qu'il faut la partager avec vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne et suivez nos nouvelles. À bientôt!